C'est un projet à destination des élèves de l'éducation prioritaire dans l'esprit de la refondation de l'école. C'est un projet qui vise l'amélioration des pratiques quotidiennes de classe, des petits changements qui améliorent la qualité de l'enseignement. Le maître a tout expliqué, j'ai tout compris. En fin de l'échange, on sait exactement ce qu'il y a à retenir. L'enseignement explicite est un enseignement très structuré, où l'élève est fortement accompagné. Tester l'enseignement explicite m'a permis de mieux fixer mes intentions pédagogiques. La verbalisation des procédures tient une place centrale. Pour la réussite des élèves de ma classe, j'ai demandé à être formée. Le soutien du corps d'inspection est déterminant. Bien, cette recherche est tout à fait intéressante parce qu'elle résulte d'une collaboration entre des professionnels de l'éducation nationale et aussi des enseignants-chercheurs, notamment de l'ESP de l'Académie de Martinique, qui est une composante de l'Université des Antilles. La recherche et l'innovation se nourrissent réciproquement.